2020. 2020 s'achève, une année à nulle autre pareille, vous l'avez tous constaté. 2020, il a fallu tout au long de l'année s'adapter. Il a fallu continuer le service public. Et il nous a fallu en même temps, parce que vous travaillez, protéger les agents. Ce matin, je pars comme depuis deux semaines à Planguenoil, à la mairie, pour aider et remplacer la personne qui était à l'accueil, qui est une personne fragile, du coup, ne peut pas être présente à cause de la Covid. Protéger les agents, c'est les protéger dans leur activité, sur leur lieu de travail. Et les lieux de travail, ben, ils ont été aussi bien chamboulés en 2020. Donc là, présentement, Yann est en télétravail. On a fait appel donc au service RH pour éventuellement venir nous épauler, nous, ici, à la mairie de Planguenoil. Donc pour moi, c'était normal, c'était logique, l'entraide, enfin, la fonction publique. Et puis, je ne peux pas tout faire, mais en tout cas, je suis présente et j'aide comme je peux. Certains d'entre vous ont continué, évidemment, sur leur poste, sur leur métier, pas tout à fait comme si de rien n'était. D'autres ont changé de métier, ont changé de poste, ont changé de collectivité, de la ville vers la communauté, de la communauté vers la ville ou vers le CIAS. Là, on est sur la période du deuxième confinement. On est revenu quand même sur la notion de groupe, plus les masques pour les enfants qui ont 6 ans. Donc c'est plus cette prise en compte qui demande un petit peu plus de travail. Bah, nous, on a la chance d'avoir Sébastien et c'est une aide, c'est un renfort. Les croisements ont été nombreux. C'est aussi le bénéfice ou les bienfaits de notre mutualisation de services. C'est aussi les bienfaits de votre réactivité, de votre motivation. Merci à tous. On est effectivement très fiers, très contents de la façon dont vous êtes mobilisés, les uns et les autres, de façon à ce que le service continue d'être rendu à la population. Éducateur sportif ne veut pas dire animateur et vice-versa. Et donc l'animation, c'est un vrai métier et je leur tire mon chapeau parce qu'ils gèrent énormément d'enfants, il faut avoir plusieurs qualités et bravo à eux. On s'est aperçu du rôle essentiel que les uns et les autres avions pour la continuité de la collectivité, pour le lien social véritablement. On s'est bien aperçu que les services publics étaient essentiels là-dessus. Donc soyez-en fiers, soyons-en fiers. On en est tous très, très satisfaits. Donc là, la résidence est fermée aux visites extérieures. Donc les visites se font sur rendez-vous. C'est vrai que c'est une tâche assez chronophage qui me prend tous les après-midi. C'est pour ça que j'avais du coup demandé à avoir une aide par un autre service de la collectivité. Je suis technicien au Quai des Rêves à Lamballe et à deux doigts de la retraite. Et le jour où Jean-Yves arrivait, Magali n'était pas là, donc j'ai proposé de venir lui montrer ce que la veille j'avais fait. Donc je viens d'arriver et Jean-Yves part. Oui. On s'est rencontrés ici. Elle est venue me voir au foyer logement. C'est ça les divines. Hâte de déjà découvrir les différents services, parce que dans le contexte, pour l'instant, la plupart des rencontres se font par visio. Oui, je reste là, on a une maison, mes enfants sont sur leur balle aussi. On est hyper emballés, quoi. Donc j'ai découvert tout le décor derrière, quoi, toutes les coulisses, et c'est enrichissant. Donc voilà, ça marche main dans la main et ça marche plutôt bien. On espère que 2021 sera plus de bonheur que de malheur. J'en profite là maintenant pour vous dire bonne année à vous tous, bonne santé. Évidemment, protégez-vous, continuez de vous protéger. Et bon vent dans cette future année, celle qui démarre. Moi, je vous quitterai dans le courant de cette année et je vous souhaite une bonne continuation.